Je voulais savoir, pour ce qui est des filles, quand elles ont des poils sur le pubis, mais pas encore les menstrues. Elle précise, c'est pour une fillette de 12 ans, est-elle pubère? Donc elle voudrait savoir si une fille avec ces conditions-là est considérée comme pubère. Pas dans le chat. Non, mais elle est considérée comme pubère. Et la personne, je crois qu'elle n'a pas bien compris, quand j'ai parlé tout à l'heure des poils, ou bien des menstrues, ou bien des signes, j'ai dit que ce n'est pas obligé que tous les signes apparaissent. Un des quatre signes suffit. Un des quatre signes suffit. Les poils sur le pubis, ou bien l'âge, 15 ans, ou bien les menstrues, ou bien l'éjaculation du sperme. Un des signes suffit. Ce n'est pas la peine d'avoir tous les signes yani réunis. Tous les signes réunis. Reste que pour les poils, dans les parties intimes, ça ne doit pas être le duvet. Ça ne doit pas être le duvet qui précède les poils gros. Mais les vrais poils. Allahu ta'ala alam. Tafadhal.